Salut, c'est Toto. Yo, c'est Titi. Ah, pour ceux qui ont reconnu, et pour ceux qui n'ont pas reconnu, on a recréé la tourette de Killjoy. Killjoy, c'est qui? C'est un personnage dans le jeu Valorant. On est des gamers. On aime la robotique, donc on s'est dit pourquoi pas. On va recréer la tourette automatique de Killjoy. La compétence la plus chiante du jeu. Ceux qui connaissent comprendront. Pour ce faire, on a utilisé une imprimante 3D, la Ender 3, et aussi tout ce matériel. Ce sera dans la description si vous voulez y jeter un œil. Bref, bon allez, on passe tout de suite à la conception. Bon, j'ai utilisé Fusion 360 pour modéliser toute la tourelle. Donc j'ai commencé par modéliser la tête de poussin là, qu'il y a derrière la tourelle. Donc c'est là qu'il y aura le réservoir d'eau, qui est tout simplement une bouteille d'eau finalement. Voilà, donc on pourra ensuite refermer avec la tête de poussin. Et cette tête de poussin permet aussi de tenir la bouteille droite. Ensuite je passe à la tête de la tourelle. Donc pour m'aider, j'utilise une photo et puis ça me permet de aussi d'avoir les bonnes proportions, la bonne échelle. Donc voilà, là pour l'instant je m'occupe juste de créer la forme globale. Je passe d'abord par les jambes. Donc là je construis la partie centrale où il y aura le moteur qui fera tourner la tête de la tourelle à gauche et à droite. Ensuite je rajoute les jambes. Donc je rajoute la jambe avant. Les jambes arrière, donc toutes les jambes peuvent être pliées, bon, ça servira à rien, vous le verrez plus tard, mais voilà, ça c'est possible, ça permet. Bon, maintenant que j'ai terminé les jambes, je sais à peu près comment ça va se goupiller, s'assembler, donc je vais utiliser des engrenages à angle droit pour changer une rotation en Z en Y, parce que je n'avais pas le place de mettre le moteur dans l'autre sens finalement. Et donc là vous voyez, je vais rajouter toutes les pièces une par une. Et tout va s'assembler grâce à des écrous et des vis. Tout comme les jambes. Voilà, voilà. Et la dernière partie, mais pas la moins importante, vu que c'est la caméra en fait. Donc là on va la mettre dans une petite boîte, voilà. Qu'on va ensuite accrocher sur une autre boîte protection, je sais pas, c'est dans la vraie tourelle. C'est censé représenter la caméra, et voilà. Et voilà le résultat. Bon, c'est bien beau, mais maintenant, il va falloir tout imprimer. Évidemment, là, je vous montre le résultat, mais j'ai imprimé au fur et à mesure. Voilà. Bon, je vous ai peint toute l'impression. J'ai évidemment fait plusieurs essais, mais là, je vous montre le résultat. Là, je voulais juste essayer de monter, voir si c'était plutôt correct. Donc, tout s'assemble bien. J'étais plutôt content du résultat. Voilà. Et comme je vous disais, les jambes bougent. Bon, maintenant je m'attaque à une partie qui n'est pas imprimable en 3D, finalement. C'est une petite partie qu'il y a sur la tourelle. Et donc c'est un fil qui va de la tête de la tourelle jusqu'au poussin. Donc c'est pour donner les munitions à la tête de la tourelle, finalement. Pour nous les munitions, bah, ce sera l'eau, donc ça permettra de cacher les tuyaux au final, donc ça nous arrange bien. Donc comme vous avez pu voir, j'ai utilisé de la colle chaude et une mousse un peu flexible. J'aurais pas dû mettre de la colle chaude parce que ça a enlevé toute la flexibilité du truc, mais ça passe. Maintenant, je démonte tout pour pouvoir peindre. Bon, avant de peindre, il faut quand même que je ponce quelques parties, et aussi qu'il faut que je lisse des parties qui ont été mal imprimées à cause des mauvais réglages d'impression. Donc j'utilise de la résine pour ça. Ensuite, voilà le résultat. Je vous ai pas montré le process, c'était très très long, mais c'est pas grave. Je vous montre quand même une petite astuce que j'ai utilisée. Vous voyez le résultat, il est un peu pas terrible, ça fait très peinture, pas très réaliste. C'est une toile, c'est censé être en métal. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une bombe de peinture métallique, j'ai spray sur un pinceau, et puis je l'ai un peu
étalée comme ça, ci par là. Ce qui donne un fait un peu usé, un peu métallique. C'est pas trop mal. Et maintenant, il faut tout remonter. Je vous laisse avec un timelapse. Là, comme vous pouvez voir, je comptais un peu sur la chance pour tout l'électronique rentre dans la tête de la tourelle. Au final, c'est passé crème. Bon, je vous explique vite fait comment marche le canon. Donc, une pompe va pousser de l'air dans la bouteille et de l'eau va être poussée par un autre tuyau qui va sortir par ce petit canon qui a une plus petite sortie. J'espère que vous avez révisé votre mécanique des fluides. Bref, je mets la dernière pièce et voilà, elle est prête à être testée. Donc oui, on a testé avec une manette au début, et on a découvert quelques problèmes. Donc, premier problème, c'est que la tourelle n'est pas stable du tout. Donc là, vous voyez qu'elle penche un peu à gauche et à droite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ces petits pivots sur les jambes qui permettent d'avoir plus d'espace pour la tourelle pour poser ses pieds. Donc ça, voilà, ça a permis d'avoir une tourelle bien plus stable. Deuxième problème, la tête de la tourelle penche en arrière. Donc ça, c'est un peu un problème qu'on a eu par rapport au moteur, en fait. Donc les moteurs viennent avec ces petits pitonniaux qui viennent se caler sur le moteur. Et vous voyez qu'en fait, bah, ça tient pas super, en fait. Donc on a rajouté une sorte d'anneau derrière qui permet à toute du poids de la tourelle, en fait, de reposer sur les hanches, là, sur la surface. Voilà, donc ça permet d'avoir une tourelle bien plus stable. Donc là, vous voyez le résultat. Mmh, magnifico! Donc troisième et dernier problème, un problème de puissance. Donc nous, on avait une Raspberry Pi, et on s'est dit, on va brancher les deux moteurs de 5 volts sur la Raspberry Pi. Sauf que le moteur, il est tout le temps en train de soulever la tête de la tourelle. Du coup, il pompe un max et de temps en temps, il est arrivé que la Raspberry s'éteigne. Il faut dire qu'à la base, on voulait utiliser en fait une batterie externe. Comme ça, la tourelle, on pouvait la mettre partout, se connecter en Wi-Fi, blablabla. C'est mort. Du coup, ce qu'on a fait, ce qu'on a dû faire en fait, c'est la brancher directement sur Prise Secteur avec un chargeur de téléphone en fait de 5 volts et 2,4 ampères. Là, on passe à un dernier petit souci, en fait. C'était pas le dernier avant. Là, c'est le plus gros. Donc là, j'ai pris des petits footage du jeu, en fait. Et je me rends compte d'un petit problème. Attendez. Mais la tourelle, elle est pas posée comme dans le jeu, en fait. Alors, oui. Mais en fait, je m'étais basé sur ces trucs-là. Mais c'est écrit Riot Games de partout. Et même le splash art de Killjoy. Bah, regardez la tourelle. Pourquoi? Ah, c'est pas grave, j'ai qu'à plier la jambe de devant. Merde, j'ai mis de la colle chaude. On passe à la suite. On a récupéré une image et puis on arrive à faire de la reconnaissance faciale avec cette image. Donc maintenant on va utiliser un flux vidéo et en fait on va utiliser les images, toutes les frames par seconde du flux image, du flux vidéo pour faire cette reconnaissance faciale. Donc là tout bêtement on va utiliser le premier code
et le merge avec le deuxième code pour en créer un qui permet de récupérer la reconnaissance faciale à chaque frame. Donc c'est parti, on fait ça rapidement. Donc on initialise la face cascade, on initialise la capture, et maintenant on va rentrer dans un loop en fait. On va rentrer dans un loop qui va à chaque frame prendre toutes les infos qu'il nous faut. En fait on va utiliser, on va montrer les frames plutôt que les images. C'est frame qui doit passer à travers ici pour faire griser. C'est gray qui va passer ici. Là dedans, on a image. Je vais appeler ça frame. Ma frame en fait va être la frame avec un rectangle qui va représenter ma figure. On a un code qui marche à peu près bien avec un FPS qui est plutôt clean, qui suit bien ma tête, y'a pas de soucis, on aime. Bon, et pour finir, la quatrième étape, la dernière étape dans tout ça, c'est évidemment de passer la reconnaissance faciale qu'on a sur l'ordinateur sur la Raspberry Pi. Chose qui est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement, pour 2-3 raisons. La première et la plus importante, c'est que la Raspberry Pi n'est pas aussi puissante que l'ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire que pour tout ce qui est capacité de calcul et vitesse de calcul, en fait, on va avoir un peu de latence. On a surtout remarqué ça au niveau de la cascade, en fait. La cascade, c'est, je vous rappelle, c'est le module qui repère les... dans une frame, en fait, dans le flux vidéo. Il va prendre le flux vidéo et il va étudier chaque frame de ce flux vidéo et chercher des visages. Si la puissance de calcul n'est pas assez rapide, en fait, il va prendre énormément de temps sur cette ligne-là. Donc, on a optimisé un peu le truc, et on a découvert qu'en fait, 70 par 70 comme taille de visage minimale, c'était amplement suffisant. C'était avant à 20 par 20, ça correspond au pixel, et 20 par 20, en fait, le robot va chercher des visages qui sont bien trop loin. Là, 70 par 70, ça nous permet d'avoir des visages qui sont à 2-3 mètres, et de quand même bien les repérer, sans souci. Une fois qu'on a repéré les visages, on va bouger des servomoteurs en X et en Y pour ajuster le robot et le diriger vers la figure qui est visée. On va activer une pompe grâce à un relay, activer la pompe à eau que vous avez vu dans l'intro qui permet de shooter de l'eau parce que c'est un peu pour ça qu'on est là, hein. Sinon ça serait pas marrant. Et finalement, une fois qu'en fait quelqu'un est repéré, on va jouer un son sur une enceinte. Et une fois que cette personne est repérée pendant assez longtemps, on va jouer un deuxième son en mode pan-pan-pan qui va s'activer en même temps que l'eau pour shooter la personne dans la figure. Et on va profiter. Il voit plus. Oh la as, putain. Oui, il voit pas. Ah, ça mouille. Putain, il a fait une rafale là. Ah, je me suis pissé dessus. Bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors oui, la vidéo était longue, mais le projet nous a pris énormément de temps, donc voilà, on voulait tout développer. Donc on est très content, elle est très fidèle au jeu, elle est magnifique. Bon, et bah c'est reparti. Bon, non, on vous l'accorde, on a peut-être des petites optimisations à faire par-ci par-là, et c'est pour ça en fait que vos remarques, vos critiques, on les prend avec grand grand plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue. Si vous lâchez un like, on prend ça avec grand plaisir, évidemment. Si vous abonnez, on ouvre le champagne, c'est sûr. Mais sinon, ouais, tous les liens des codes sont dans la description, donc n'hésitez pas à regarder, et puis ciao.